What's up TV, c'est notre ancienne intro. Oui, c'est vrai, ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas faite. Ouais. Je préfère la nouvelle, personnellement, puis je pense que aussi. Ouais. Non, c'est un petit spécial, parce que d'habitude, on poste demain, le samedi, mais là, On poste le lundi, mercredi et samedi, vous le savez. Mais là, c'est pour, c'est comme une bonne nouvelle pour vous, finalement. Ouais. En quelque sorte. Je pense que oui. Sans rapport, évidemment, bon, vous allez deviner par le titre, puis aussi par tout ce qui se passe en ce moment, par rapport au coronavirus, le COVID-19. Puis même, je voyais un post de Cynthia Duluth dans ses stories qui disait, là, est-ce qu'on vous parle de ça, est-ce qu'on parle d'autre chose? On sait pas de quoi vous parler, on fait comme si rien se passait. C'est ça. C'est vrai, on était vraiment dans ce questionnement-là, nous autres aussi. Hier, on était encore toutes bouche bée, on s'appelait avec tous nos parents, puis on était comme là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme vous l'avez vu, les choses ont un peu dérapé. Moi, mais ça a comme pris une expansion. Après des mesures, là. Des mesures, ouais, peut-être plus extrêmes depuis hier, je pense. C'est ça. J'ai eu l'impression, là. Moi, je demeure que le coronavirus me fait pas peur, là. C'est une grippe. Non. Mais c'est les gouvernements qui prennent des mesures, puis qui adaptent des mesures pour contrôler le virus. Puis, tu sais, je veux dire, qu'on soit d'accord ou non sur le danger de ce virus-là, ou s'il faut faire toutes ces mesures-là. Écoutez, ils font leur mieux, puis ils veulent être sûrs que tout le monde soit protégé. Et dans le fond, le plus rapidement possible, ils veulent régler ça, qu'on n'en parle plus de cette histoire-là. Fait qu'à quelque part, ils ont raison sur ça. Puis je suis d'accord avec eux. Moi, c'est pas dangereux pour mourir, mais pour certaines personnes, ça l'est. Fait que pour ces personnes-là, ben, on fait notre possible, puis eux, ils font leur possible. Donc, c'est ça. Là, les enfants, pas d'école pendant deux semaines. Ézéchiel, je vais me pour qu'on soit plus proche. Ézéchiel a pas d'école pendant deux semaines. Je pense comme tout le Québec. Ben, je pense pas mal tout le monde, ouais. Puis là, je pense qu'il y a aussi des commerces. Qu'il y a quelques commerces qui ferment. Ceux qui sont venus de voyage. Il n'y a pas longtemps, dans le domaine public, je pense que vous avez deux semaines payées. C'est quand même bien, vous êtes payés. Tant mieux pour vous, c'est le fun. Dans le fond, le titre de la vidéo le dit, on va se mettre nous-mêmes en quarantaine pour prévention, mais aussi, on voulait inspirer peut-être ceux qui peuvent le faire aussi à le faire pour aider justement à ce que le virus meure. Le plus vite possible. Ça, c'est une histoire du passé. Exactement. C'est ça. Il y en a qui peuvent pas, on comprend vraiment ça. Mais il y a les jeunes qui vont pas à l'école, c'est ça, vous êtes à la maison, vous pouvez rester à la maison. Il y a des mamans ou des papas ou les deux qui vont rester à la maison parce que les enfants ne sont plus à l'école, ne sont plus dans leur garderie. Puis il y en a que leur travail, ils peuvent le faire de la maison, comme nous. T'sais, nous, on peut le faire, on peut vraiment travailler de la maison. Et puis Ézéchiel, il n'y a pas d'école, là, fait que là, on il est comme un ben peu... Content. On est un peu déjà comme obligé d'être en quarantaine à la maison. Fait qu'on s'est dit, regardez, on va se mettre en quarantaine pendant deux semaines. C'est ça, on était bien stockés, puis on s'est dit, on va utiliser ce temps-là pour être gros en famille. Puis on va vous créer des vidéos, parce qu'on le sait que là, il y en a beaucoup qui vont être pris à la maison. Ça peut être les jeunes, ça peut être aussi les plus vieux, personnes âgées, ceux qui ont des problèmes de respiration. Ça peut être aussi les femmes enceintes. C'est des personnes qu'on veut pas faire par exprès pour les contaminer. Non, exactement. Puis là, tu sais, on parle du coronavirus, mais c'est comme n'importe quand il y a une grosse grippe qui court. C'est ça. On essaie de protéger ces personnes-là. Fait qu'en restant à la maison, ben on va contribuer à ça, parce qu'on le peut. Puis, on vient de la Californie, ça fait une semaine qu'on est revenu, et les enfants... un peu avant qu'on revienne, puis les quelques jours après, il faisait de la fièvre, puis il toussait beaucoup. Alors, on nous a dit que, on nous a comme recommandé que, sans qu'on sache si c'est ça ou non, ben c'est que... J'ai comme appelé, là, puis... C'est mieux, c'est ça, de se mettre en quarantaine aussi pour cette raison-là. Moi, fait que depuis qu'on est revenu de la Californie, heureusement, on n'a pas vu grand monde, à part nos parents, sincèrement. Fait que ça a comme bien adapté. Personne n'a rien eu à date, là, mais... Personne n'a rien eu, fait que, tu sais, je pense pas que c'était ça. Mais je pense que ça prend deux semaines avant de se développer. Tu peux l'avoir puis tu le sais pas, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'au moins, on est en contact avec personne. Puis là, avec les mesures, puis comme tout le monde est alarmé, là, on s'est dit, gars, on va. Entre autres, on va faire notre part. Aussi. On va faire notre part, puis c'est ça. Moi, je l'ai pas. Je pense pas que je l'ai, mais verrais-tu que les enfants, il me semble que, en tout cas, c'était vraiment pas si mal, mais tu sais, avec ce qu'ils disent, on prendra pas de risques. Il n'y avait pas totalement les mêmes symptômes, là. C'est ça. Il y avait le nez qui coulait. Ils ont fait de la fièvre, mais tu sais, c'était rien de peu plus qu'à l'habitude. Fait qu'en tout cas, on va passer du temps en famille et je profite un petit peu de ça aussi pour ça. On voit, ça se passe, entre autres en Italie, mais dans d'autres endroits aussi dans le monde, que ce virus-là a quand même le bon côté de... Il y a comme ça l'unit les personnes. Il y a des journalistes en Italie qui ont dit qu'au début c'était la panique, puis après ça, ils ont rapidement vu qu'il y avait un mouvement de solidarité. Fait que c'est le fun de voir que pour une fois, sa planète, tout le monde s'entend sur une chose. Ça fait vraiment du bien de voir ça, puis
je vous encourage à justement faire ça, embarquer dans ce mouvement de solidarité-là. Oui. Et c'est aussi, c'est entre autres pour ça qu'on décide, nous aussi, de se mettre en quarantaine, parce qu'on sait que ça va aider. Mais aussi parce qu'on se dit, ben, il y en a qui sont pris en quarantaine, puis c'est pas vraiment pas par choix. Fait que c'est un petit peu aussi un mouvement de solidarité, comme Kouagat, on est avec vous autres. Nous autres, on l'est. Puis si ceux qui sont pris à la maison, ben, vous êtes pris quand même avec les gens que vous aimez le plus à terre. Fait que profitez-en pour rester près les uns des autres, pour servir de ce temps-là. Il y en a qui sont payés pour rester à la maison, fait que c'est vraiment cool. Fait, je veux dire, à quelque part, c'est profitez-en. Faut essayer de voir le positif le plus possible. C'est ce que la TV fait tout le temps. Exactement. La vie est remplie de difficultés, le coronavirus, que vous croyez au virus ou non, maintenant ça vous affecte, que vous le vouliez ou non, parce que là, il commence à avoir des pénuries, il commence à avoir des mesures, fait que qu'on croit au danger ou non de ce virus-là, ça commence à être un problème pour tout le monde. Fait que la team vie, c'est de prendre le problème, puis de voir le bon côté des choses, puis d'en sortir plus fort. Et on est content de voir que déjà l'humanité a l'air de vouloir faire ça. On dirait qu'on sont plus unis, puis ils veulent travailler ensemble pour régler ça, fait que... Qu'on croit au virus, au danger du virus ou non, ben il y a un petit bon côté qui se fait, puis on est content de ça. Puis nous, on va le faire chez nous avec notre petite team vie de 4 plus les animaux. On va se rapprocher les uns les autres. On va vous faire des vidéos tous les jours pendant 2 semaines. Oui, c'est la bonne nouvelle là-dedans. C'est la bonne nouvelle pour vous, c'est, comme, c'est ça. On tous les jours. On va toutes se tenir compagnie ensemble, la team vie. On va comme tuer le temps ensemble. En famille, la famille team vie, à travers le monde entier. Tout ça. Ben oui. Parce que je sais qu'en France aussi, on est regardé. Oui. Donc, on vous envoie beaucoup d'amour en France. Je pense que c'est quand même plus intense. En Europe, je pense que Europe, c'est plus intense. Oui, c'est ça. De votre côté. Donc, on vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour du Canada. Oui. Écoutez des YouTube, écoutez des Netflix. Prenez du temps pour dormir. Vous. Ça va en plus monter votre système immunitaire. Buvez beaucoup d'eau. N'oubliez pas de vous laver les mains. Pas juste le Purel. Je suis fatigante, là. J'arrête pas de leur dire. Lavez-vous bien les mains. Tout le temps. C'est... On essaie de pas serrer la main et de se coller. Oui, exactement. Qui sortent. Et ceux si qui peuvent rester pouvez, à la maison. Voilà. Fait que vous allez avoir une vidéo demain matin. Ezekiel est super content de ne pas avoir d'école et de faire des vidéos on tous les jours avec papa et maman. Demain matin, content. Vous allez avoir un challenge, Ezekiel. Il attend juste parce qu'on va faire tout de suite. C'était comme. Pour prendre l'avance, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vient comme de décider ça. Fait que. Mais là, on se posait la question qu'est-ce qu'on fait pendant. Premièrement, on se posait la question qu'est-ce qu'on fait comme vidéo. Parce qu'on veut continuer à en faire, puis on veut pas arrêter. Mais là, on se dit, ce qu'on fait comme si rien n'était, c'est un manque de respect de pas en parler. C'est ça. Puis là, Ezekiel est à la maison tous les jours, donc il y a des choses qu'on pourra pas faire comme on l'avait prévu. Il y a des rénovations qu'on voulait faire que moi-même, d'abord, je vais faire moi-même. On s'est dit, écoute, pourquoi on resterait pas à la maison? On va se mettre en quarantaine, on va comme faire notre passe, qu'on est capable de le faire. Tout le monde, on se voit demain matin. On vous aime fort, lavez-vous les mains. Oui. Passez du temps en famille. On va s'en sortir. Encore plus fort. On va avoir un bon moment tout ensemble pendant cette quarantaine-là. Oui. OK? Ça va être le fun. Mais oui. On va se relever encore plus fort. Ayez pas peur. Je sais qu'il y en a qui ont peur des maladies. Je suis une folle là, de ça. Et j'ai pas peur. Ayez pas peur de ça. Okay. C'est juste ben impressionnant tout ça là. C'est comme les écoles fermées. Ah si ça c'est fermé. Comme... Puis c'est là ça c'est annulé. Mais ils prennent juste des mesures. Coachella qui est annulé. C'est ça. Glacier en tout cas. Il y a plein de magasins qui ferment. Bref, faut pas paniquer. C'est juste des mesures pour tuer le microbe le plus rapidement possible. Exactement. Il y a vraiment pas plus de stress que ça à avoir, guys. Ayez pas peur. On se voit demain. N'oubliez pas d'aller nous follower sur TikTok, Instagram puis tout ça parce que ça va être encore plus de divertissement qui va être créé par là, Vous allez en avoir plus. Vous allez en avoir plus. Et guys, on se voit demain. On se revoit demain matin avec les enfants. Wouhou! On vous aime. Bye!